Dans un building de 20 étages, l'été comme l'hiver, tu travailles pour une société de 100 000 actionnaires. Ton nom ici n'existe pas, tu n'es qu'un numéro. Pour être sûr de te garder, on te donne ce qu'il faut, rien n'est à toi. Tu ne vaux pas un seul centime, tout appartient à la société anonyme. Rien n'est à toi. Tu ne vaux pas un seul centime, tout appartient à la société anonyme. Afin d'augmenter leur standing, un jour la société a fait construire près du building une belle cité. Et l'on t'a dit d'autorité, voici l'appartement. Pour le paiement, tout est réglé, on vous aidera 20 ans, rien n'est à toi. Tu ne vaux pas un seul centime, tout appartient à la société anonyme. Rien n'est à toi. Tu ne vaux pas un seul centime, tout appartient à la société anonyme. Pour les week-ends, on est gentil, on te prête une auto. Elle est graissée, elle est lavée, une 23 chevaux. Ta petite amie te voit de loin quand tu viens la chercher. Car sur les portes on lit très bien le nom de la société. Rien n'est à toi. Tu ne vaux pas un seul centime. Tout appartient à la société anonyme. Rien n'est à toi. Tu ne vaux pas un seul centime. Tout appartient à la société anonyme. Après 30 ans d'un dur labeur courbé par l'ambition, même si tu finis directeur, un monsieur au grand nom, que feras-tu quand t'arrivera le jour de l'addition? Lorsque les anges près de Saint-Pierre ensemble te diront, rien n'est à toi. Tu ne vaux pas un seul centime, tout appartient à la société anonyme. Rien n'est à toi. Tu ne vaux pas un seul centime, tout appartient à la société anonyme. Rien n'est à toi. Tu ne vaux pas un seul centime, tout appartient à la société anonyme.